c'est parti. C'est parti maintenant avec eux normalement. On devrait retrouver Rougelet, Alissa, que Cernay aux avant-postes, bien sûr. Elle avait fait 2 et 1 lors des 2 premières manches qualificatives. Va-t-elle confirmer son excellente prestation? Messini et Ventoux avec Caroline Bucat, il n'est absolument pas d'accord, me semble-t-il, avec ce que je viens de dire. Car elle aussi avait 3 points et va peut-être pouvoir ainsi monter sur la plus haute marche du podium. Oh là là, ça va être chaud! Ça va être chaud avec également maintenant Rougelet, Alissa qui vient de repasser en tête devant Coralie Le Bucat, de Messini et Ventoux. Alors on va voir, d'ici quelques instants, le podium se décide. La première place, oui, c'est pour Alissa Rougelet de Cernay. Deuxième, la numéro 27 et la 11 qui termine troisième, c'est Alena.